Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog tout de rouge vêtu. Alors c'est le retour pour moi du bazar total dans mon bureau en même temps. Voilà, j'en ai un petit peu mis partout avec les paquets, les emballages. J'ai reçu, il y a quoi, 2 heures, un nouveau paquet. Je vous explique en fait le concept. Vous savez, bon, j'ai la chaîne Caroline R qui est la mienne. Je suis également administratrice, présentatrice sur la chaîne des box. Et on m'a demandé de l'être également pour une nouvelle chaîne, c'est la chaîne Allo Cadeau. Le concept, il est simple, je reçois des cadeaux qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà, originaux, et je les présente sur la chaîne. J'ai reçu le premier aujourd'hui, je vous montre ça. Je prépare également un petit paquet pour ma sœur Julie. Ah oui, t'étais pas au courant, bah voilà, je te dis de toute façon, je voulais que tu le saches au moins pour vérifier. Elle vit très très loin, hein, donc à Bali. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais voilà, sache que un petit colis va arriver. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Waouh! Déjà, j'en ai reçu. C'est top! Bien évidemment, je ne vais pas vous les montrer ici, mais croyez-moi, c'est top, top, top. Déjà, le paquet, ça fait classe. Ce que je vous disais, il y en a partout. J'ai un petit peu tout réuni au centre du tapis. Mais tant que j'ai pas terminé, voilà, j'ai pas envie de ranger parce que je sais que ça va se... Ce sera de nouveau le bazar. Donc, dès que j'ai fini tous les emballages, hop, on range. De toute façon, c'est rien à faire. Hein. Ça se range en deux-deux, tout ça. Maman, elle va aller manger. Allez. Ce midi, bah, ça va être rapidos parce que je suis pas en avance encore. Je me suis fait des œufs brouillés. Et des petits ballotins de chèvre, j'adore ça. Et des pommes, voilà, ça va être parfait pour ce midi. J'ai vraiment la sensation d'être observée quand je mange. Même pas en rêve, Jackie. Je vous montre mon petit look. Je mets très rarement des jupes, et encore plus des jupes comme ça, là, qui se terminent ici. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt joli avec ce petit chemisier. Ça fait un moment que je l'ai, c'est une petite robe jupe longue, on va dire. Non, semi-longue, fendue. J'aime bien, mais bon, les chaussures, c'est pas vraiment de saison. Et si je suis venue ici, c'est pas que pour ça. Je vais mettre la petite étagère dans la chambre. Enfin, je vais l'installer. Et je crois que je vais mettre la couette. La très jolie couette que j'ai achetée chez Jiffy. Alors, elle donne ça. Elle est très jolie. Vraiment très très belle. Par contre, je trouve que ça fait ressortir le côté trop blanc des murs. Il va vraiment... Mais ça, c'est pas un souci. Hein. Il va falloir que je mette des décos. Et comme je vous disais, c'est un petit côté romantique, baroque, qui va plutôt très bien avec ce coin-là aussi. Par contre, je vais être obligée de l'enlever. Il faut que je la lave. Première utilisation. En plus, ça sent fort. Je sais pas ce qu'ils mettent comme produit. Je vais la laver. Et du coup, bah, je vais remettre l'autre couette. Quand je vous dis que je vlog mon quotidien, j'allais la mettre à tourner, mais non, c'est vrai, j'ai ma machine à étendre avant. Eric, il va être dégoûté, j'ai fait tourner aussi sa cape de super-héros. En même temps, il fallait bien que je la lave. Hein. S'il y a bien un truc que j'aime pas faire, c'est mettre les housses de couette, là, il y a toujours des grumeaux, ça prend un temps fou. Ouh, je dois sortir normalement, mais je sais pas, là je le sens pas vu le temps. Vous vous rendez pas compte, mais je pense que c'est partout pareil. Il pleut, c'est pas beau... Je sais pas, j'ai pas envie de me mouiller quoi. Mais je vais peut-être être quand même obligée d'y aller. Ouais. Ça y est, je viens d'installer enfin mon petit porte-courrier. Ça fait sympa, hein. Et je peux quand même ouvrir la fenêtre. Voilà, jusqu'ici. Eh ben c'est plutôt pas mal. Ouais. Très contente. Et là, je vais mettre la petite étagère. Je vais laisser la plante, mais je vais vous dire un truc trop bête. J'aime tellement mon petit ours que j'ai peur qu'il tombe, qu'il se casse, donc je ne vais pas le mettre là. J'ai encore changé d'avis et j'ai switché l'étagère, je l'ai mise là. Et j'en ai rajouté une, j'aime bien. C'est hyper sympa. À chaque fois ça me fait ça, j'ai soif, j'attends le dernier moment, ce qui n'est pas bien parce que si vous avez la sensation de soif, c'est que c'est déjà trop tard, entre guillemets, c'est que tu es un petit peu déshydraté. Je vais me prendre mon eau de coco et c'est de pire en pire le temps, de pire en pire. Qu'est-ce que je fais? Je sors pas.
Mais non! C'est fou quand même, c'est un morphal. Je viens de faire tomber un petit. Je mangeais une petite biscotte. Vous avez vu comment il a sauté? Les pruneaux, c'est pas pour les Jackie. Non. De toute façon, t'aimerais pas. J'ai ressorti mon perfecto de chez Mango. Il est très court. C'est vrai qu'il est quand même très sympa. Hier, avec mon frère, j'ai été chez Leclerc, mais hyper rapidement, et j'ai vu qu'il faisait du vernis gel, en espérant que je puisse l'utiliser avec ma machine, et du rouge, parce que moi, j'ai eu trois petits vernis, framboise, blanc, ça a bof, et celui que j'ai mis, nude. Donc, je voudrais passer en prendre, et également, je n'ai plus de fromage en tranche, pour changer. Ouais. Voilà, donc là, je suis embêtée, parce que je vois pas, moi je veux juste savoir si je peux le catalyser en fait. C'est dommage parce qu'il y a des teintes vraiment très très sympas. J'avais pas vu. Must use LED lamp, ça veut dire le meilleur à utiliser c'est dans une lampe, donc c'est cool. Et ben voilà. Je viens de sortir, il est 6h30. Et je vois que dalle en fait. Je viens de rentrer. J'en ai plus, ça part tellement vite, en même temps j'en prends un tous les matins, Eric aussi. Et bah ça a l'air pas mal. Hein. C'est quoi? Sensation Nail. Voilà, la marque. Mon fromage. Ça. Bon, parce que j'adore, hein. Tu le fais revenir dans la poêle, c'est juste excellent. Et mon petit pain céréales sans gluten. Enfin, je dis mon petit pain, j'ai jamais goûté, je crois, celui-là. Et voilà, c'est tout. Je suis en train de regarder une petite série et je fais mes haltères. Ah oui, je vous avais dit. J'ai pas encore fait les tics. Je pense que je vais commencer demain. Mais je suis pas toute seule. Vous en doutez. J'ai mon petit assistant qui compte. C'est des 1 kg que j'ai pris. C'est bien suffisant. Hein. Et coucou, nous sommes le lendemain matin. J'ai mon blouson parce que je m'apprête à partir. D'ailleurs, c'est celui-là. Vous l'avez reconnu, celui qui était parti au pressing. Il est tellement joli, il est super confort. Et j'ai pas clôturé, comme vous le voyez hier soir, tout simplement parce que voilà, parfois ça peut arriver. Je préférais, et après coup j'aurais pu sur les coups de minuit, mais je me suis dit bon, vu que je vais pas vlogger aujourd'hui, vu que nous sommes samedi, autant que je vous reprenne ce matin. Voilà. Mon rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'ai reçu, que j'ai testé et qui est vraiment très 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 joli, notamment pour les fêtes, il va être très sympa. Je l'ai reçu hein, avec Octoly gratuitement, c'est un Givenchy, c'est le rouge. Moi la couleur c'est 306, le carmin escarpin. Il a un fini mat, mais à la fois il y a comme un petit effet cuir. Et c'est une édition limitée. Regardez l'écran, il est sublime. C'est pas facile avec une main. Qu'est-ce que c'est beau. Il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Il a un petit côté glossy, mais à la fois mat. Donc c'est vraiment ce qui me plaît énormément. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Je ne vais pas vous dire à demain parce qu'on est dimanche. Mais je vais vous retrouver lundi dans un nouveau vlog, peut-être un petit peu plus long et peut-être avec des surprises, qui sait? Salut!